Eh bien, bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour partager ensemble les coulisses de la nouvelle expo du Forum des sciences à Villeneuve-d'Ascq qui s'appelle, eh bien, Tous sportifs. Alors moi, je m'y suis mise, hein, vous l'avez vu dans les vidéos précédentes. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous présenter un des membres, eh bien, du comité scientifique, Frédéric Dessin. Quel est son rôle dans l'élaboration de l'expo ? Donc le rôle du comité scientifique est de veiller à ce que l'organisation ou la mise en place de l'organisation réponde bien à la demande initiale et que les différents ateliers qui seront mis en place lors de cette exposition soient bien en accord, on va dire d'un point de vue scientifique, avec les connaissances actuelles. On est là pour accompagner le forum, hein, par rapport à toute sa dimension scientifique, toute la partie scénographique, toute la partie création des îlots, des stands, c'est du ressort du forum. Et nous, nous sommes là pour les accompagner dans le message scientifique qui est porté pour les visiteurs. On est intervenu à plusieurs reprises, hein, dans l'évolution. Donc déjà, la première réunion pour se rencontrer, c'était de définir les axes. En fait, le thème, ce n'était pas tout sportif à l'époque, c'était science et sport. Donc, il fallait savoir quelle discipline on pouvait traiter, quel caractère scientifique on pouvait y associer. Je suis dans les coulisses, hein. Je vais essayer, avec ma curiosité, d'avoir des petites infos. Est-ce qu'on peut avoir des petites idées, des petites pistes sur ce qu'on pourra faire dans cette expo qui a été réalisée par le comité scientifique ? C'est basé sur des expressions sportives. Donc je ne vais pas tout dévoiler, mais des expressions qu'on a l'habitude d'entendre ou d'utiliser peut-être au quotidien. Et on a essayé de donner l'explication sportive et quelle était l'origine sportive un petit peu de ces différentes expressions. C'est une expo ludique, immersive, qui s'adresse à tous, pas aux spécialistes du sport ni aux spécialistes de la science. C'est comme d'habitude une expo du forum départemental qui vous rend pleinement acteur et dans laquelle vous allez avoir un challenge. D'ailleurs, on pourra courir autour du stade. Enfin, il me semble qu'il y a un petit challenge à la clé, mais vous allez nous en dire plus. Je vais réussir à avoir des infos comme ça. Ah, l'idée, c'est de parcourir la plus grande distance possible pendant le temps de l'exposition. Donc, essayer de battre des records. Alors, ça va être un travail à la fois individuel, parce que chacun va faire le tour. Et en même temps, c'est collectif, puisqu'on additionne un peu les performances, entre guillemets, de chacun. Vous l'aurez compris, les amis, le principal, c'est de noter dans son agenda le 12 septembre. Rendez-vous pour une expo inédite, tous sportifs.